Benjamin, cheminot depuis 18 ans sur le secteur de Saint-Dizier, s'est levé aux aurores aujourd'hui. Dès 6h, il rejoint le rond-point de Marnaval pour manifester contre la réforme des retraites, accompagné d'une centaine de manifestants. L'ambiance, elle est plutôt bonne pour des gens qui viennent quand même ici en perdant une journée de salaire. L'ambiance est quand même plutôt pas mal. Donc, et tant mieux, parce que c'est aussi ça qui fait que les mouvements durent, notamment à Saint-Dizier, c'est qu'on arrive quand même à s'entendre, que ce soit dans l'intersyndicale ou dans l'interprofessionnelle. On cause tous entre nous, voilà, on se raconte chacun nos difficultés dans nos entreprises respectives et puis voilà comment ça se passe. Après l'installation pour bloquer les accès, le temps est donné. Et le filtrage des chauffeurs peut commencer. Le but, c'est de faire des actions qui se voient et qui gênent forcément, puisque on a essayé de manifester le plus paisiblement possible et dans nos entreprises, on a fait des piquets de grève, des trucs locaux. Et puis on s'aperçoit que ça ne sert pas au débat et qu'on n'écoute encore pas la rue. Donc on s'est dit, on va tous se rassembler, faire des actions qui marquent, des actions voilà, qu'on voit partout. Sur le temps de midi, la bonne ambiance règne toujours. Tous les syndicats se réunissent autour d'un barbecue pour faire un point sur la situation. 10, 12, 15, Angela Merkel sur un point là, se dire on vient et on verra comment ça se passe, ça peut marcher aussi comme ça. On vient. Okay. 15h, les manifestants plient bagages pour se diriger vers le centre-ville Bragard et la circulation reprend normalement. On s'est tous donné rendez-vous à 17h pour une manifestation au centre-ville et pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin et qui n'ont pas pu faire grève dans leurs entreprises de rejoindre les cortèges. 17h devant des centaines de manifestants selon la police, Benjamin s'exprime sur la place Aristide Briand. Le gouvernement veut nous rendre invisibles. Rappelez-vous les mots dans la bouche de Macron, celles et ceux qui ne sont rien. Ils n'ont pas changé, toujours à penser qu'ils sont tout, qu'ils ont raison sur tout et que nous n'avons notre mot à dire qu'une fois tous les 5 ans. L'article 7 concernant le report de l'âge légal à la retraite a été adopté par les sénateurs. Les manifestants vont donc continuer de se mobiliser.